l'enjeu est évidemment majeur, puisque tous les 5 ans, on a le choix pour choisir un dirigeant pour notre pays, avec des programmes très différents. Je suis venu ici aujourd'hui dans le quartier des Moulins pour leur dire que cette occasion, elle était essentielle. Souvent, il m'arrive de rencontrer des citoyens qui ont des choses à dire, qui ont des revendications à formuler. Eh bien, je leur dis que ces revendications, elles portent avant tout aussi sur le droit de vote, qui est un droit, bien entendu, acquis durement par le sang versé des Français. Et je pense notamment aux femmes qui ont eu le droit de vote seulement en 1945. Et je leur dis aussi que le droit de vote, c'est un devoir. Que le vote, c'est un devoir, parce que de pouvoir exprimer son point de vue, de pouvoir choisir un projet pour la France, eh bien, ce n'est pas un acte anodin et ça fait de nous des citoyens accomplis. Le droit de vote, c'est une manière de participer en termes d'implication à la vie du pays. C'est une manière de respecter le pays et c'est une manière de se soucier surtout de l'avenir de nos enfants. Donc j'ai simplement, pour finir, un seul mot à vous dire. N'hésitez pas à faire la démarche, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour qu'on puisse montrer, que ce soit dans les quartiers sensibles ou ailleurs, qu'on aime notre pays et qu'on est prêt à s'engager sur ces sujets et bien d'autres pour l'amour qu'on porte à la France. Nos parents se sont battus pour le droit de vote et du coup, oui, je vais le faire cette année-ci. J'essaie de parler autour de moi pour inciter les gens et les sensibiliser pour tout ce qui est vote. Il faut bien qu'ils fassent leur devoir. C'est un devoir avant tout. Voter, pour moi, c'est très important car il y a très peu de temps que nous avons le droit de vote, nous les femmes. Et donc, c'est une manière de se faire entendre. Il est important de voter pour se faire entendre et pour acter nos idées. Parce que le droit de vote a été rendu assez tardivement, surtout pour les femmes. Issu de parents immigrés, il a fallu passer par des étapes de naturalisation et tout ça, donc ça a été une fierté pour mon père. Et lui rendre hommage, c'est plus qu'un bonheur pour moi.